Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, donc là, je suis en train de... Là, là j'ai mis des bananes, des palmiers. Là, c'est le plan, là, ici, là, ça, ça, là, tac, 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 tac. C'est le plan de prunes de cité hein, que je vais planter plus tard, puisque je vends mes prunes à une société qui fait du jus. Donc, je continue à planter des pruniers. Et puis là, c'est des bananes, là, là, c'est ça, c'est banane jaune. Ensuite, ça, c'est banane jaune, là, tac. Ensuite, dans le fond aussi, là, là, ça, tac, 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 c'est la banane jaune. Et puis là, en bas, là, ça, c'est, là, là où mon doigt tourne, c'est des palmiers. Donc, je mets banane jaune, palmier, tout. Mais ça, que je vais vous montrer, c'est ça. Regardez, donc, vous voyez, là, il y a déjà des petits, là, si on montre bien. Si vous regardez bien, il y a des petits qui poussent. Là, et là. Et le clou du spectacle, alors c'est, je suis un petit peu embêté pour la plantation que j'avais fait. Alors vous allez voir. Ici, là, ça. Alors ça, ça que je tiens avec les doigts, c'est un prunier, prune de cité que je vends avec le société de qui fait du jus. Ça, juste à côté, et c'est ça le problème. C'est un abricotier, donc ça fait des fruits, des abricots. Et ça, là, juste à côté encore, ce pommier d'eau. Donc en fait, le problème c'est ça. Donc quand j'ai pris les graines de prunes de citerne, j'ai pris les graines d'abricots, j'ai pris les graines de pommier d'eau et j'ai tout mis dans le même bocal de terre. Et puis j'arrosais. Et tout a poussé. Et le problème c'est que quand j'enlève des fois le petit pied qui est monté, après ça meurt. Donc je me suis dit, si j'enlève le prunier, il risque de mourir. Si j'enlève l'abricotier, il risque de mourir. Si j'enlève le pommier d'eau, il risque de mourir. Du coup, j'ai laissé les trois. Et j'ai mis les trois en terre, et voilà. Je vois que l'abricotier monte, que le prunier monte, et que le pommier d'eau monte dans le même cercle de terre. Regardez. Donc du coup maintenant je ne peux plus l'enlever parce que si j'enlève un ben j'ai le risque que les autres meurent et c'est ça le problème. Voilà, je vous dis très bientôt pour de nouveaux épisodes de l'agriculture avec Maïs.